Hello les étoiles, je suis Cécile, la chamane celte, et comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine, au jour le jour. Donc ce sera les énergies du lundi 21 janvier jusqu'au dimanche 27 janvier. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je vous invite à le faire tout de suite. C'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui est ici ou ici. Vous avez un bouton s'abonner, vous cliquez dessus, après il y a une cloche qui apparaît. Vous cliquez sur la cloche, cela vous permet de recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine, j'utilise bien évidemment mes capacités de canalisation pour recevoir les messages des guides ainsi que cet oracle, l'oracle du messager. Pour lundi, cette carte qui est arrivée, qui est vraiment pleine de symbolisme. Donc, je vous invite à la regarder de plus près, le temps que je vous décrive la carte. Donc, vous voyez au centre un arbre homme ou un homme arbre dans une position de réflexion. Il a des cornes en bois comme tous les êtres énergétiques de ce jeu. Et au-dessus de sa tête, vous voyez un lion dessiné en forme de couronne qui part vers les branches. Alors, sur la gauche de ce personnage, vous voyez que c'est un paysage de nuit avec une pleine lune et un papillon, animal totem de transformation. Et tout en bas, côté gauche, sur les racines, vous voyez une tête de mort. Sur la droite du personnage, on est dans un paysage de jour avec un grand soleil, une libellule aussi, animal totem de transformation très intéressant. Et tout en bas à droite, sur les racines, un œuf prêt à éclore. Ce personnage a aussi un serpent qui s'enroule autour de lui, qu'on voit apparaître en bas et au niveau de ses épaules, un serpent qui est en train de muer. Donc sur sa carte, vraiment beaucoup de symboles, jour et nuit, symbole de mort, symbole de naissance, symbole de transmutation avec le serpent qui mue et les animaux totems. Vous voyez, c'est une carte qui est pleine de symboles et qui s'intitule « Le changement est inévitable ». Alors cette énergie de lundi est là pour nous rappeler que quoi qu'on pense, quoi qu'on fasse, quelles que soient nos perceptions, le changement est toujours en route. À chaque seconde, à chaque minute, tout change autour de nous. Le temps change, les heures changent, le jour se transforme en nuit, la nuit se transforme en jour, les saisons changent régulièrement. Nous changeons aussi à chaque minute, nous nous transformons à chaque minute, à chaque seconde. Tout ce qui est autour de nous est en changement perpétuel, en fait. Un philosophe disait que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Celui-là, il est toujours en route. Quoi qu'on fasse, quelles que soient nos perceptions, il y a toujours du changement autour de nous, en nous aussi. Et ce changement-là, qui fait si peur à certains, eh bien, il va falloir l'accepter. Parce que si on est dans la peur, on est dans la résistance, et du coup, on ne peut profiter du moment présent, et on ne peut construire son futur. C'est dommage. Donc vraiment, cette énergie de changement qui est là pour lundi, et qui nous incite à cesser la lutte, à cesser la résistance face à tous ces changements, à les accepter pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils nous apportent, à les accepter pour les leçons qu'on peut en tirer, les forces qu'on peut apprendre de ces changements. On ne peut pas les arrêter, donc accueillons-les dans la paix, dans la joie, et profitons de ce qu'ils nous apportent. Cette énergie est vraiment très forte pour lundi, cette énergie de changement, d'autant plus que lundi soir, nous sommes sur la pleine lune du loup, qui est une pleine lune très importante en énergie, et doublée d'une éclipse lunaire qui va être totale pendant à peu près 62 minutes sur le continent européen. Donc, encore des énergies qui vont effectivement bousculer et amener des changements. Pour mardi, cette carte qui est arrivée, qui s'appelle « Besoin et nécessité ». Alors, il y a de nouveau plein de choses sur cette carte. Donc, on va commencer par le haut de la carte. Vous voyez un personnage féminin relié à la nature avec un troisième œil très ouvert et qui porte en coiffe un aigle. Déjà, bel animal totem pour la vision très particulière que peut avoir l'aigle. Sous le personnage, vous voyez aussi, on va dire, un oiseau un peu particulier puisque d'un côté noir et de l'autre côté blanc, comme un corbeau qui se transforme en lumineux.
Cet oiseau, il est posé sur le symbole yin et yang, symbole de l'équilibre, masculin, féminin, positif, négatif, dans l'équilibre. Et de chaque côté de l'oiseau, vous avez d'un côté le soleil, du côté de l'oiseau sombre, à gauche. Et de l'autre côté, sur l'oiseau un peu plus lumineux, vous avez la lune, le jour et la nuit. Donc, cette énergie pour mardi, elle est là pour nous rappeler que tout existe au même moment dans l'univers. Si d'un côté de la Terre il fait nuit, de l'autre côté il fait jour, au même moment. S'il y a création, il y a aussi destruction, au même moment. On ne peut créer quelque chose si on n'a pas détruit avant. C'est une loi naturelle, on ne peut pas changer ce genre de choses. C'est comme par rapport à certaines situations. Certaines vont vous sembler douloureuses, difficiles, alors que pour une autre personne, la même situation lui semble facile et très intéressante à vivre. Donc tout est vraiment basé sur la perception, sur vos perceptions. Chaque personne a des perceptions différentes de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit. Il faut bien prendre conscience que tout est question de perception et que dans la nature, comme entre les êtres humains, tout se produit en accord avec ce principe énoncé par la carte, le besoin et la nécessité. La notion de juste et d'injuste ou de bien et de mal est une notion propre à l'être humain. Ce n'est pas une notion de la nature. Dans la nature, les choses se produisent par besoin et nécessité. Si vous voyez un lion attaquer une gazelle, c'est un besoin et une nécessité. Il a besoin de manger pour vivre et la nécessité est de réguler aussi le nombre d'animaux sur la planète. Un arbre qui commence à pousser, à grandir, il va aller vers la lumière de plus en plus haut et les racines de plus en plus profondes dans la terre pour se nourrir. C'est un besoin, une nécessité pour survivre. Et si, pour survivre, d'autres petits arbres à côté doivent périr, eh bien ils périront et lui continuera de grandir. C'est un besoin et une nécessité. Il ne se pose pas la question de savoir si c'est juste ou pas. C'est un besoin et une nécessité. Et c'est comme ça que la nature s'équilibre, se construit et avance. Et on nous demande à nous, êtres humains, de revenir un peu sur ce besoin et nécessité de temps en temps. Je ne dis pas tout le temps, puisqu'on a des règles de société et on a des règles de communauté. Il faut bien en suivre aussi quelques-unes, mais de temps en temps, quand vous avez une décision à prendre, quand il y a un changement dans votre vie, posez-vous la question de ce besoin, de cette nécessité. Est-ce que ce changement est nécessaire à votre bonheur, à votre bien-être? Si la réponse est oui, eh bien faites ce changement, quelles que soient ses conséquences, puisque la conséquence principale sera votre bonheur et votre bien-être. Et c'est votre première mission de vie d'être heureux et bien. Par contre, si ce changement ne vous amène ni bonheur ni bien-être, eh bien ne le faites pas. C'est simple, ce n'est pas facile, mais c'est simple. Alors je dis bien ce n'est pas facile, puisque des fois on se retrouve à prendre des décisions et on n'ose pas simplement suivre son cœur et notre besoin de bien-être. On va suivre ce que les autres ont envie d'entendre, ce que les autres pensent que c'est mieux pour nous, ce que la société pense que c'est mieux pour nous. Peu importe les raisons, mais on ne va pas suivre notre raison principale. Et du coup, le changement ne va pas être positif pour nous. Parce qu'on n'a pas pris la décision en fonction de notre cœur et de notre besoin, mais en fonction des autres. Alors, le principe, il est simple. Quand vous avez des décisions à prendre, la première question à vous poser, est-ce que ça va m'apporter du bien-être? Est-ce que ça va m'apporter du bonheur? Est-ce que c'est nécessaire pour moi? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui, je sais, ça fait 4 questions. Mais si vous répondez oui à toutes les questions, faites le changement. Si vous répondez non, ne le faites pas, peu importe ce que les gens pensent autour de vous. Faites ce qui est bien pour vous. C'est ce qui vous rendra heureux et les gens, de toute façon, resteront avec vous parce que vous êtes heureux, parce que vous êtes bien. Ils finiront par vous demander c'est quoi votre secret. Donc pour mardi, c'est vraiment cette énergie de besoin et nécessité à remettre dans notre vie de façon régulière et à agir selon notre cœur. Pour mercredi, cette carte qui est arrivée, qui s'appelle « Nous sommes tous reliés les uns aux autres ». Alors sur cette carte, vous voyez 2 dragons serpents rouges et jaunes qui s'entrelacent. Donc ils partent du bas en s'entrelaçant et en arrivant jusqu'à l'arbre tout en haut, qui est l'arbre de la connaissance, l'arbre de la création. Yggdrasil, on l'appelle chez les Celtes. C'est l'arbre du début, du commencement, de la création, de la connaissance, du tout. Donc c'est un symbole très très important. Et entre les croisements de ces 2 dragons serpents, vous voyez différents personnages. Un personnage féminin, tout en bas, représentant l'être humain. Vous voyez aussi des animaux totems, le loup, la chouette, le papillon. De chaque côté, vous avez la représentation du soleil en bas à gauche et de la lune au milieu à droite. Donc tous les éléments sont représentés avec ces dragons, dragons de feu et dragons de l'air. Et cette carte pour mercredi est là pour nous rappeler que nous sommes tous interconnectés énergétiquement les uns aux autres. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous.
les êtres humains entre eux, les êtres humains et les animaux entre eux, les êtres humains et les animaux et les plantes entre elles, le tout relié à l'énergie de la Terre. Nous sommes tous interconnectés énergétiquement et nous avons tous besoin les uns des autres pour vivre. Et cette énergie de mercredi est là pour nous rappeler de faire attention au monde qui nous entoure, à cette terre qui nous porte, à ces animaux qui sont là pour nous aider, pour nous nourrir, qui nous permettent d'avoir des fibres pour faire des vêtements, et de se protéger les uns les autres en fait. Si nous ne protégeons pas notre terre, si nous ne protégeons pas la nature, comment voulez-vous que l'être humain survive? Donc c'est vraiment cette prise de conscience qui est là pour mercredi, de vraiment se rendre compte que nous sommes tous interconnectés et que nous devons nous aimer les uns les autres et nous soutenir. Nous avons tous besoin les uns des autres, besoin de la nature, quelle qu'elle soit, que ce soit dans les mers, les océans, la forêt, dans les plaines, les animaux, les plantes, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons. Nous avons besoin de tout ça. Donc il serait bien de protéger ce monde qui nous porte. Parce qu'à chaque fois qu'on lui fait du mal, on se fait de mal à nous-mêmes. Alors chacun peut faire plusieurs gestes à sa niveau, à sa portée. Vous pouvez faire attention à l'eau que vous dépensez, à ne pas utiliser trop d'électricité, faire attention aux déchets. Quand vous allez vous promener, de ne pas jeter les choses dans la nature, voire de ramasser ce que vous voyez qui traîne dans la nature et qui ne sera pas détruit par la nature elle-même, puisque certaines choses ne se désagrègent pas de façon naturelle. Il y a régulièrement des actions faites par des associations pour nettoyer les bords de mer, les forêts, dans tous les départements, dans tous les pays. Donc si ce sujet vous tient à cœur, je vous invite à participer à ces actions et à faire des petits gestes au quotidien déjà chez vous. De ne pas consommer à outrance, de ne pas gaspiller et de faire attention pour préserver notre nature et notre environnement. Parce que si nous le détruisons, nous le détruisons nous aussi. Donc pour mercredi, c'est vraiment une énergie de protection qui est là, une énergie d'interconnexion entre tous les êtres vivants. Pour jeudi, cette carte qui est arrivée, qui représente un dragon arc-en-ciel, et qui s'appelle « Soyez patient ». Alors vraiment, jeudi, l'énergie de patience qui est là, on nous demande de rester tranquille pour jeudi, d'attendre, d'être mesuré dans nos propos et dans nos actes, car ce n'est pas le temps d'agir. Si vous devez prendre une décision par rapport à un projet, par rapport à un contrat, par rapport à votre famille ou à votre couple, eh bien, l'univers nous incite à attendre pour prendre cette décision, à attendre le lendemain ou quelques jours, mais pas sur cette journée de jeudi. C'est une journée de calme et de patience, d'attente. Si malgré tout vous prenez des décisions ce jour-là, a priori, le résultat risque de vous déplaire. Rappelez-vous que toute belle chose arrive à ceux qui savent attendre et au bon moment. Donc vraiment, cette carte pour jeudi est là pour nous inciter à la patience et à l'attente, de ne pas agir pour cette journée. Et hormis l'urgence vitale, toute décision peut attendre au lendemain, voire au surlendemain. Quoi que vous en pensiez, tout peut attendre. Pour vendredi, cette carte qui est arrivée, donc elle s'appelle « Il est temps de vous enraciner ». Alors, sur cette carte, vous voyez toujours un personnage féminin, un visage féminin au centre de la carte, dans un arbre, toujours cette connexion à la nature. Au-dessus du personnage, vous avez deux oiseaux qui ressemblent à des perdrix. Et le plus important, c'est surtout cet animal totem qui est à l'intérieur de l'arbre, sous la terre, sous le visage féminin, et qui est la tortue. Un animal totem empli de sagesse. Et donc cette énergie de vendredi, elle est là pour nous rappeler. Alors cette énergie de vendredi est un peu particulière. C'est-à-dire que vendredi, nous risquons tous d'être dans une zone, j'allais dire, un peu perturbée énergétiquement. Vous avez déjà connu ça, moi aussi, de ces moments où on se sent un peu perturbé, on n'arrive pas à se concentrer, où on est un peu agité, on a du mal à se poser, où c'est un peu le désordre dans la tête et aussi autour de nous, parce qu'on n'arrive pas à se concentrer et à poser nos idées. C'est des journées comme ça un peu compliquées, et vendredi, ça va être une journée comme ça, qui va démarrer de façon un peu compliquée, un peu désordonnée, avec de certaines perturbations. Mais il ne faut pas s'en inquiéter. Ce sont des moments réguliers qui arrivent à tout le monde, et ce sont des moments qu'on ne peut pas éviter, et qui nous apprennent énormément de choses sur nous et sur notre environnement. Donc pour passer au mieux cette journée de vendredi qui va être
un peu chaotique, je vous invite régulièrement, c'est à faire des petites pauses pour vous enraciner à la terre, pour travailler votre ancrage. Alors, bien sûr, de bon matin, vous pouvez déjà faire une méditation d'ancrage. Vous en trouvez sur ma chaîne YouTube. Je vous en ai mis une que vous pouvez faire pour travailler cet ancrage tout en douceur. Et sur la journée, vous pouvez aussi le travailler, même que quelques minutes. Vous prenez un temps de pause, vous vous isolez, vous faites de belles respirations pour commencer à calmer votre mental. Vous allez rechercher le vide en vous, cette partie de silence à l'intérieur de vous qui est dans la paix et dans la sérénité. Et vous vous visualisez vous connectant à la terre, aller chercher le soutien de la terre, rester ancré. Donc c'est vraiment un exercice d'ancrage qu'il faudra faire de façon régulière sur cette journée de vendredi. À chaque fois que vous vous sentez un peu trop perturbé, vous avez des difficultés de concentration, vous vous sentez agité, au lieu de vous en prendre à vous, à votre travail, à vos collègues, à votre famille, aux gens qui vous entourent, isolez-vous, même que 5 minutes, et faites une petite pause méditative, relaxante. Les pieds nus au sol, c'est encore mieux, pour aller vous connecter à la terre et récupérer cette paix et cette douceur que la terre-mère sait nous envoyer. Pour samedi, cette carte qui est arrivée, alors là, il y a plein de choses sur cette carte. Alors, de nouveau un arbre en centrale et cette fois-ci en personnage masculin. Donc vous voyez le visage d'un homme avec le troisième œil très ouvert. Il a une cape sur la tête et la cape est fermée en bas. Donc vous voyez le symbole en bas de la carte par une broche. Donc cette broche, c'est un mélange entre le soleil et une croix de Hank. Donc représentation masculine et féminine en même temps sur cette broche. Sur la tête de ce personnage, vous voyez une couronne avec des bois et au milieu la représentation de l'univers. De chaque côté du personnage, à gauche, vous avez un lion, à droite, un loup, deux beaux animaux totems de courage et d'intelligence. Vous avez également une colombe blanche qui s'envole, symbole de paix. Tout au-dessus de la couronne du personnage, vous voyez la tête d'un dragon au milieu de la branche principale de l'arbre, animal de sagesse et guide très puissant aussi. Et de chaque côté du visage du dragon, vous voyez des symboles qui sont des symboles alchimistes des éléments. Et en plus de tout ça, vous avez aussi des plumes et des papillons. Alors vraiment une carte pleine de signes et de symboles. Difficile de passer à côté. Et cette carte pour samedi, elle s'appelle « Voyez les signes ». Ça veut dire que l'univers, vos guides, votre ange gardien, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, est toujours présent auprès de vous et vous envoie régulièrement des signes pour vous aider à vous mettre sur votre chemin de vie. Il vous envoie des synchronicités, des coïncidences, parce que vous le savez, il n'y a pas de hasard. Et cet univers est toujours là, présent, pour nous guider et nous remettre sur notre chemin de vie. Malgré tous ces efforts, beaucoup de personnes ne voient pas les signes. Les gens sont tellement pris dans la vie quotidienne, dans cette vie qui va vite, où il faut réagir vite, où il faut faire les choses vite, qu'ils ne voient plus les signes qui sont envoyés. Or, vous en avez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les signes, ils peuvent arriver par des mots prononcés par des personnes autour de vous, par des heures miroirs, par des chiffres qui se répètent, comme par exemple 3 fois le chiffre 7 sur une plaque d'immatriculation, ou le 1111 qui est un numéro d'une maison, par exemple, dans la rue. Les signes arrivent aussi par des plumes qui arrivent sur votre chemin, des animaux qui croisent votre vie à un moment donné. Ça peut aussi être une publicité sur les réseaux. Vous allez sur un réseau social et d'un coup, vous voyez une publicité passer qui répond à une interrogation que vous avez en ce moment. Ou vous allumez la télé et vous tombez sur un documentaire qui parle du sujet qui vous tracasse en ce moment et qui vous donne des indications. Ça peut être aussi le téléphone qui sonne et une amie qui vous appelle pour discuter de quelque chose et qui va, sans le savoir, vous donner un conseil qui va vous aider à trouver une solution. Bref, les signes arrivent de partout, tout le temps. Une chanson dans la voiture, c'est régulier. La seule chose, c'est que la plupart des gens n'y prêtent pas attention. J'entends dire des fois, Dieu m'a abandonné, l'univers m'a abandonné, les guides sont pas là. Non, ils sont là. Tout le monde est là, tout le monde communique. C'est à nous d'ouvrir notre conscience, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles et de se rendre compte que les signes sont tout autour de nous, tout le temps. Alors tout n'est pas signe non plus, il ne faut pas devenir complètement obnubilé par les signes. Mais il est vrai que nous en avons souvent des inspirations, des idées des fois un peu bizarres,
nous en avons. Donc vraiment, cette énergie de samedi est vraiment là pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que l'univers, les anges, les guides, Dieu, tout le monde est là pour nous envoyer des signes et nous aider à aller vers notre chemin de vie, vers nos missions de vie. Tout l'univers conspire à ce qu'on soit heureux. Il suffit juste de suivre les signes qu'il nous envoie. Alors je vous encourage samedi à ouvrir votre conscience, vos yeux, vos oreilles, vos sens, et à repérer les signes qui vous sont envoyés. Pour dimanche, cette carte qui est arrivée qui s'appelle « Partagez vos pensées ». Donc sur cette carte, vous voyez deux animaux, donc deux dragons. Un dragon de la terre, c'est celui qui est le plus imposant, hein, au milieu de la carte. Et sur la droite, un petit dragon de feu. Petit peut-être par la taille, mais pas par l'énergie, je vous garantis. Et cette carte pour dimanche, elle est là pour nous dire qu'il est temps de parler aux autres autour de nous, de nos rêves, de nos idées, de nos projets, parce qu'on ne sait jamais. Dans les gens qui nous entourent, dans les gens que nous croisons, il y a sûrement quelqu'un qui peut nous aider à réaliser nos rêves. Les gens ont tendance à garder pour eux leurs idées, à les cacher, par peur que quelqu'un leur vole leur idée, ou fasse les choses à leur place, ou récupère des clients par rapport à leurs idées, je ne sais pas exactement quelles sont les raisons, mais il y a une peur chez beaucoup de gens de partager ses idées. Or, il n'y aura pas de vol de quoi que ce soit. Chaque personne a des énergies différentes et chaque personne peut faire des actions qui semblent similaires et qui pourtant n'atteindront pas les mêmes personnes parce que nous sommes tous différents, nous avons tous une énergie différente. Donc déjà, il faut s'enlever ces peurs-là. Et surtout, se rendre compte que quand vous allez commencer à parler de vos idées ou de vos projets, certes, certaines personnes risquent de critiquer et de vous dire que c'est complètement idiot, que ça ne marchera jamais. Ok, ils ont le droit. Vous avez le droit aussi de croire en vos rêves et de continuer à en parler et à dire « moi je veux réaliser ça, je veux faire ça, je cherche des moyens pour faire ça ». Le fait de le dire à haute voix, de l'assumer, de ne plus se cacher, ça montre aussi à l'univers que vous êtes prêt. Et donc, comme je le dis souvent, l'univers conspire à nous rendre heureux. Donc, si vous êtes prêt à assumer vos rêves, vos projets, vos idées, à assumer qui vous êtes, peu importe ce que les gens en pensent, eh bien, l'univers va vous envoyer des moyens. Il va vous envoyer ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves. Et ces besoins vont souvent passer par d'autres personnes. Des personnes qui partagent vos idées et qui vont vous aider à réaliser vos rêves et vos projets. Ils ne vont pas les prendre pour eux, ils vont vous aider. Pour le plaisir de vous aider parce qu'ils trouvent que l'idée est super. Mais ça, vous ne pouvez l'obtenir que si vous parlez. Donc je vous encourage dimanche, eh bien, à parler de vos rêves, de vos buts, de vos idées. Commencez à en parler à votre cercle intime, votre famille, votre compagnon de vie, vos enfants s'ils sont assez grands, vos amis proches. Et petit à petit, à en parler de plus en plus autour de vous. Et vous allez remarquer qu'il y aura des gens qui seront là pour vous aider, qui auront des idées, qui vont vous souffler des solutions, des démarches à faire. Donc vraiment, cette énergie de dimanche est là pour nous encourager à partager nos rêves, nos pensées, nos espoirs, pour pouvoir les réaliser au plus vite. Voilà les étoiles, je vous ai fait le décryptage des énergies de la semaine prochaine au jour le jour. J'espère que cela va vous aider à planifier et préparer au mieux votre semaine. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus sur l'énergie au jour le jour, avoir des conseils plus précis, plus détaillés, avoir des connaissances aussi sur les animaux totems présents sur les cartes, bien je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux. C'est un mail quotidien que j'envoie tous les matins à 6h du matin, de bonne heure et de bonne humeur. Alors oui, c'est tôt, mais c'est exprès pour que vous puissiez mettre en place déjà les premières actions pour vous préparer au mieux pour la journée qui s'annonce. Dans ce mail, je vous mets la photo de la carte du jour, je vous donne l'explication de la carte, l'explication de l'énergie et surtout plusieurs petits conseils pour passer au mieux cette journée. Et en fonction des cartes, je vous donne aussi la signification d'un animal totem présent sur la carte. Alors pour s'inscrire au petit mot doux, bien c'est tout simple, vous allez dans le déroulé du descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien. Vous cliquez dessus, vous vous laissez guider, c'est gratuit et dès que vous êtes inscrite, dès le lendemain, vous recevez votre premier petit mot doux. Je vous encourage également à partager la vidéo autour de vous sur les différents réseaux sociaux. Je suis certaine que vos amis seraient ravis de pouvoir profiter de ces explications pour préparer au mieux leur semaine également. Vous pouvez également me laisser vos commentaires sous la vidéo, vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, sinon je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.